Arthur, j'espère que vous allez bien. Au sein du tonnerre, on est de retour dans Zoo Tycoon 2, dans la saison dédiée aux animaux disparus et aux dinosaures. C'est peut-être un pléonasme, mais c'est pas grave. Voilà, j'espère que vous allez bien. Au sein du tonnerre, à part comme bon, comme d'habitude, je viens de déboucher les ma gorge, tout ça, mais ça, vous vous en fichez. Et du coup, dans cette saison, on fabrique des dinosaures. Et Dodo a besoin de plus d'espace, alors ça me saoulait. On dégage. On dégage. On dégage. Déjà ça va mieux. On te fait adopter, voilà, tac tac tac. On enlève tous ces dodos. D'ailleurs on peut enlever un petit peu de ça aussi. Hein. Là il y en a quand même beaucoup. Alors peut-être que j'ai fait un. Peut-être j'y vais un peu trop vite. C'est une femelle. Ok, tac. Voilà, c'est pas grave. Comme ça leur fera un peu de place. Super super. Donc très bien. Donc on est ici pour faire des dinosaures. Et on m'a dit en commentaire que je lis du coup, hein, c'en est la preuve. Ça fait des sous ça? Ouais, ça fait plein de sous, c'est cool. Qu'on pouvait avoir des pingouins tueurs et autres animaux dégoûtants quand on faisait moins de 50% sur une recherche. Et ben, c'est quoi? On va essayer. On va faire un T-Rex. Et on va faire exprès de tout faire foirer. Donc je ne vais rien faire, hein, je vous le dis tout de suite. Ou alors je peux cliquer n'importe où, voilà, on entend le son. Je ne fais rien. Ou j'appuie sur mon clavier. Bon, ça va être un peu loin. Ah zut, est-ce que ça attendait? Du coup, mais c'est pas grave. On va lire comme ça un peu tout ça. Et donc quand on fait moins de 50%. Allez, je vais quand même en faire un, histoire de. Ouais! Et en faisant au hasard. Non, ça marche pas. D'ailleurs, on peut du coup tester. Non, ça marche pas. J'ai appuyé sur tous les boutons. Ça ne marche pas du tout. Faut que j'installe des terrains de jeu, statues, fontaines et kiosques. Et on va faire ça juste après. Oh, j'ai fait au hasard, mais c'est pas grave. Juste après avoir essayé. Bon. D'avoir un animal dégoûtant. 13%. Et du coup, on a un écureuil. Mais c'est cool, un écureuil. Est-ce qu'on peut le libérer? C'est la question. Je sais pas où ça va, mais d'ailleurs, est-ce que ça va là? C'est trop bien! Je ne savais pas, voilà, vous voyez. Comme quoi, on apprend des choses. Allez, on va l'anesthésier, j'ai pas vu. Voilà, est-ce que ça. Voilà, il fait dodo. Ok. Maintenant, on va le soigner. Non, ok, on sait pas, on peut rien faire. Donc rien à voir, il était juste malade, on l'a juste calmé. Mais d'ailleurs on devrait mettre, même si j'aime bien les arbres comme ça, mais on devrait mettre un bunker d'intervention. Mais bon, on fera ça plus tard. Du coup, je ne savais pas qu'on pouvait avoir des écureuils et des animaux dégueux. Donc maintenant on va le faire, ou peut-être que je les ferai hors épisode. Est-ce qu'il reste dans l'enclos ou... Où est-ce qu'il dégage? On va aller voir ça. Est-ce qu'ils sont pas vraiment par bonheur? Velociraptor. Bon, ok, oh, il a dû disparaître, c'est pas très grave. Peut-être qu'on le retrouvera. Donc voilà, maintenant je sais faire. Donc on va essayer de faire des pingouins. Il y a une histoire de même de pingouin tueur, hein, si tu dis pas de bêtises. Donc on va aller voir ça. Est-ce qu'on fait ça? En même temps c'est pénible. En même temps, allez. On en fait un deuxième pour essayer. Ça permet de discuter un peu, hein. Voilà, parce que du coup je vais pas. Je vais pas cliquer. On ne va rien faire, on va voir. Et du coup, voilà. Bon, on va voir. Attendons. Du coup, cette saison, elle commence à. Alors je vais dire s'étirer, pas du tout, parce que c'est on fait toujours des trucs plus intéressants, mais j'ai toujours pas mis de casque, hein, mais. Mais du coup, oui, j'en ai un bon. Du coup, ça va bientôt être la fin, je pense. Mais c'est pas grave, il y a un autre jeu de prévu, vous inquiétez pas. Pour vous occuper vos vendredis soirs ou votre week-end, du coup. Je sais pas quand est-ce que vous regardez les vidéos. D'ailleurs, n'hésitez pas à me dire en commentaire. Voilà, je vais faire un peu la pub. La course. Je fais la pub un peu, ah bah oui, les commentaires, Facebook, Twitter, tout ça. On s'abonne et on partage. Vous connaissez la chanson. Donc voilà, 3%. Et ça n'a pas marché.
Un peu aussi. Ah non, redressi. Ah bah, faut faire un petit peu alors. Alors par contre c'est tout noir, pourquoi c'est tout vert? Bon, c'est pas grave. Donc là j'en ai fait un petit peu, donc on va peut-être juste en faire un de chaque. Et encore, ouais. On va juste faire la souris. Lui dire regarde sa montre. On va aller voir le Styracosaurus, voir pourquoi il a besoin de plus d'espace. Et on a ça rare des kiosques et des jeux. Et on verra parce qu'on devait faire, on devait mettre des T-Rex. Alors je sais pas où est-ce qu'on les a mis ou si on les a mis d'ailleurs. Oh, qu'est-ce qu'il regarde sur l'écran? Qu'est-ce qu'il veut lui? Il aimerait s'accoupler, bah oui, c'est comme ça. Hein. Allez, on fait une touche. Oh, ok. Oh, un papillon, un monarque. Ça c'est cool. Ah, du coup le papillon, j'ai envie de le mettre dans la jungle, je pense. D'ailleurs on a mis, oh, on a des crocodiles ici. Pas mal. Il est grand comment lui? Oh, il est beau. Ah ok, il se barre en fait. Ah oui, il vole en même temps. Bah c'est pas grave, c'est cool, c'est joli. Alors on va essayer de le suivre. Est-ce qu'on peut le... Non, on peut pas le suivre, on peut rien faire. Je pense qu'il va disparaître au bout d'un moment. C'est un peu triste, mais c'est comme ça. Lui, il a besoin de plus d'espace. Mais c'est parce qu'il est bugué. Mais t'es bugué, mon gros, c'est pour ça. Et voilà. Ça va mieux maintenant. Est-ce qu'on a encore un papillon? Il est où? Il est là. Pourquoi pas? J'ai envie de dire. Ah, c'est pas moche, c'est pas moche, mais du coup c'était pas le but. Alors, les soigneurs, il peut pas atteindre. On va se faire un petit tour, c'est pas grave. Il est peut-être coincé lui aussi. Non, il est pas coincé. Ah, mais il fallait le soigner. Il était malade. Ok, il y a beaucoup d'hypothrac bleu. On va peut-être devoir en virer. Est-ce que les poubelles, ça va? Ça va, on a notre agent d'entretien qui est au taquet, notre papillon qui se balade. Pourquoi pas? Alors, du coup, on va aller mettre des kiosques. Alors, des kiosques et des jeux. C'est vrai qu'on a rien mis de tout ça, bon, on va en mettre ça. Alors, c'est vrai qu'on voulait pas parce que. Il y a peut-être d'autres choses à faire. Genre des choses comme ça pour s'amuser. Mais du coup, ça tient pas. Enfin, ça prend trop. Ouais, c'est pas la bonne. Ah, bah si, comme ça, c'est parfait. Bon, on peut mettre un deuxième d'ailleurs. Voilà, comme ça les gens peuvent essayer. Des zones de fouilles artificielles. Oh, ça avec des peintures rupestres, on va mettre ça. Ça c'est cool, mais alors où est-ce qu'on va les mettre? Parce que est-ce qu'il y a des choses déjà là? Ou alors ici justement. Hop là, regardez, si on tourne. Ça prend trop de. En même temps, ça peut être sympa. Voilà, d'un coup il bouge en meute là. J'espère qu'ils vont pas se battre. Tac. Ceci, ça donne envie de mettre là quand même. On va juste décaler la porte. Tac. Voilà. Et mettre une porte ici. Et du coup, on va refaire un petit peu de chemin. Je sais pas à quel point c'est cool. Et on peut... Ah si, on peut même passer dedans nous, ça c'est bien ça. Ah, il y a de la musique intégrée directement dans la grotte rupestre. Et bah ça c'est pas mal. On voit que les add-ons ont été mieux codés que les jeux de base. C'est très bien. Alors, du coup il y en a qui... Voilà, on voit toujours le papillon. Il y en a qui vont creuser, donc ça va permettre un peu aux gens de s'amuser un peu. Tout en restant dans le thème. Des animaux disparus. On pourrait mettre des chauves-souris, des chauves. Ouais, bof. On n'a pas trop envie de tout ça. Alors, quoi qu'un Ségoya, c'est quel. Ok, il n'y a pas spécialement de. On pourrait mettre là. Tunnel Ségoya. En même temps, c'est pour passer à travers. Ok, il y en a qui cherchent. Utilisation depuis le début, donc on va laisser. Pourquoi t'es pas content? N'est pas assez amusant. Bah, c'est pas amusant de trouver des fossiles! Bon, c'est pas grave, on pourrait mettre d'ailleurs juste des. Et c'est ce qu'on va faire, juste des rochers musicaux. Hop là. Par exemple ici. Du coup ici aussi, on va mettre un peu partout. Alors on va tourner ça là, ça là. Ok, et peut-être un peu par là également. Ah, peut-être.
Quoique si on poil, allez. Comme ça, quand on se balade, on a un petit peu de musique. Et c'est plus ou moins bien intégré, donc ça va. Les petits assignes sont contents. Là, il y en a quand même beaucoup, je pense que je vais peut-être en dégager quelques-uns, parce que... Ça fait beaucoup, je trouve. Alors, je fais pas gaffe à qui c'est, mais... Voilà. Alors, Sonia ne peut pas atteindre le Vélociraptor. Mais pourquoi, pourtant, il est où, Pully, machin, là? Pourquoi personne ne peut l'atteindre? Lui. Il était à l'autre bout aussi. T'es à l'autre bout, mec. Très bien. Ou alors peut-être qu'il était coincé dans l'enclos. Bah non, il y a des portes de partout. Oh! On a réussi la reproduction. J'ai oublié qu'on a une mission. Donc, cool. Très bien. On a réussi une mission, les gars. C'est bien. Alors, on voulait mettre un T-Rex, mais on voulait peut-être enlever ceux-là parce qu'ils sont tout petits. Ou alors, est-ce qu'on les met là? Les T-Rex. Après, il nous reste de la place encore. Hein. On n'a pas tout à fait fini encore. Là, on a des marmottes. Enfin, des mastodontes géants. Hein. Et des triceratops. Ça, c'est cool. En soi. Ok, Hippotrac vient de donner naissance, on a dit qu'on en virait quelques-uns, on va le faire. Voilà, histoire d'avoir un peu plus de place dans les enclos. Et bah super, en tout cas les gens ont l'air de plus s'amuser hein, maintenant qu'il y a ça. Est-ce qu'il y a une histoire de squelette que j'ai mis ici? Qu'est-ce que ça fait ça? Oh, se récupérer. Faut que je trouve des toilettes, mais il y en a des toilettes mon gars. Il y en a un peu partout hein, des toilettes, donc fais pas chier hein, comme on dit. Allez, on va faire un petit T-Rex. Allez, on va faire un T-Rex. C'est compliqué, mais je vais me concentrer pour avoir un super T-Rex. Attention, c'est parti. À droite, bas, clic, droite, bas. Droite, bas, clic, droite, bas. Donc c'est le moment un peu pénible d'épisode, mais c'est pas grave. Vous avez l'habitude des petits défis. Droite, bas, clic, gauche, haut. Bas, clic. Gauche, haut, bas, haut, droite, gauche, droite, bas, haut, droite, gauche, droite, ok, j'ai peur, hein. Haut, droite, clic, gauche, bas, et on est à la moitié là, et ben donc, haut, droite, clic, gauche, ah, bas, je me suis trompé, haut, bas, clic, droite, gauche, haut, bas, clic, droite, gauche. Allez, un dernier, j'espère. Clic bas haut, gauche, droite. Clic bas haut, gauche, droite. Ah, je me trompais, mais ça va. 93%. Il est tout mignon. Et il vit dans la forêt tropicale. Donc, on va devoir faire un enclos tropical. Et je pense qu'ici, on peut mettre un énorme enclos T-Rex. Hein. Moi, ça me va. Hein. Ça me va très bien. En plus, c'est quasiment déjà tropical. Mais du coup on va faire un truc automatique, hop là, c'est comme ça. Voilà, avec peut-être une borne un peu plus. Voilà, beaucoup d'espawn. Avec un petit peu de terre au fond. Peut-être un petit coin d'eau. Voilà. Des portes, il y a des portes, il y a des portes. Ouais, des carcasses. Voilà. On va être une source. Des choses comme ça, on peut mettre une proie. Et on peut mettre un abri en pierre. Alors, est-ce qu'on va le mettre? Ah photo de Parker, le pirate, jouant à la fontaine à jet. Regarde un aquarium, non, on n'a pas d'aquarium, donc... va crever, Parker. Allez, j'aimerais mettre ça, là. Bon, mais là... C'est pas forcément là où je vais le mettre, c'est pas grave. Et on va du coup lui l'ouvrir, sa boîte. Et on en fera un deuxième avant la fin de l'épisode. Si t'as besoin de plus d'espace, on te vire. Moi je te le dis. Peut-être beaucoup, c'est parce qu'il y a plein de bébés. Hein. Ok, est-ce que ça va mieux au niveau de l'espace? C'est eux qui ont, non, eux, ils ont de l'espace. Au niveau de l'espace, ça va. Ok, bah c'était celui-là surtout. Donc tout va bien maintenant qu'on a relâché quelques-uns. Allez, on fait un peu le tri. Et on va du coup, faire un T-Rex. Allez, un deuxième, en espérant que ce soit le sexe opposé. C'est parti pour la concentration absolue. Haut, gauche, clic, bas, droite. Haut, gauche, clic, bas, droite. Très bien.
Haut, bas, droite, gauche, clic. Gauche, clic. Haut, bas, gauche, droite, gauche. Gauche. Haut, bas, gauche, bas, droit. Allez. Bas, gauche, bas, droit. Ok, j'ai loupé, mais je préférais pas appuyer. Tiens, s'il n'a besoin de plus d'espace, on va régler ça. Bas, haut, clic, gauche, droite. Et là, ça va vite. Et haut, bas, clic, droite, gauche. Clic, droite, gauche. Pas mal, 93% également. Et là, c'est un mâle. On va voir, de toute façon, ils vont se bouffer si jamais c'est pas le bon sexe. Ok, j'ai cru que c'était là, mais je me suis dit, bon, on a fait n'importe quoi. Il est où l'autre? L'autre T-Rex. Il est là. Et l'autre, c'est un mâle également. Donc, bon, ils vont se taper dessus, c'est pas grave. Il y a pas assez d'espace. Ah oui, d'accord, il y a carrément pas assez d'espace. Ça se tient. On va en virer pas mal, moi je vous le dis. Parce que de toute façon, ça se refait facilement. Voilà, très bien. Super, bon, maintenant il n'y a plus de problème d'amusement, a priori, hein, les gens s'éclatent. En tout cas, on va voir. Et évidemment, il y a des travaux dans la cour. Alors, je sais pas si vous allez entendre, mais il y a des camions, tout ça. Donc, on va voir ce qu'on. Voilà, je vais peut-être devoir faire une pause dans l'enregistrement, mais c'est pas grave. Pas dans cet épisode, en tout cas. On est des rebelles, nous, rien à foutre. Du coup, est-ce qu'on fabriquerait pas les enclos qui manquent? Déjà, on pourrait faire ça en soi. Par exemple, celui-là. Je sais pas ce que vous en pensez. Et faire quelque chose comme ça. Voilà. Alors je sais pas pourquoi je fais ces formes là, hein. C'est juste histoire de casser un peu, de pas faire des enclos carrés. J'espère que ça vous dérange pas. Alors peut-être que 1 c'est un peu limite du coup, mais j'ai envie de faire ça. Et on va faire pareil par là. Du coup on va partir de là. C'est notre point de repère. 1, 2, 3. Si j'y arrive. Voilà. Du coup, dites-moi les animaux que vous souhaitez qu'il y ait dans ces enclos. De toute façon, on a dit que notre but c'était de tous les faire, donc on va voir si on y arrive. Ok, je me suis gouré là, non? Ah oui, c'est là que je me suis gouré. Alors que là, je me suis pas gouré. C'est donc ça le problème, on va mettre pause 2 secondes. 1, 2, 3. Ah, je suis gouré carrément tout là, quoi. Et vous savez quoi? C'est pas grave si on s'est gouré. On va apprendre de nos erreurs. On va faire que ça. Hein. C'est pas grave, regardez. Personne n'évoque du feu. Hop là, et voilà. Super, donc on a d'autres enclos, qu'on aura d'autres animaux. Je sais pas si on fait vraiment la liaison. On enlève la pause. Ouais, est-ce qu'il y a de l'utilisation un tout petit peu? Mais pas folichon non plus. Oh, il y a de plus en plus d'os récupérés. J'avais envie d'en mettre d'autres de centre de formation. Je sais pas où c'est. Ici. Oh. De la Jeep, non, pas tout de suite. Hein. On n'a pas envie de faire de la Jeep. Tac. J'avais envie de mettre ça. Je sais pas ce que vous en pensez. Ok, super. Os récupéré. Enfin des os du coup, moi j'aime bien dire des os quand c'est au pluriel. Bon, on va se laisser là pour cet épisode, j'espère que le camion fait pas trop de bruit dehors. En attendant, entre les deux prochains épisodes là, je vais continuer de tourner, donc j'aurai pas vos commentaires tout de suite, mais je les lirai, vous inquiétez pas. Je vais essayer de faire un maximum pour avoir un pingouin tueur et on essaiera de le mettre dans un enclos, voir si on peut en avoir plusieurs. Voilà, je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Bien sûr, on s'abonne, partage tout ça, vous connaissez la chanson, le pouce bleu, voilà, voilà quoi, et les commentaires. Allez, je vous fais des gros bisous, je vous dis à bientôt. C'était Arthur, il est tout seul lui? Eh ben il est tout seul. Allez, ciao ciao!